Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on va faire de l'aménagement dans le jardin. Bien, pour cet aménagement dans le jardin, tout d'abord, vous avez remarqué, il y a encore cette grande serre, la petite serre, les bacs. J'ai fait différents aménagements. Vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Bien, bon, pour cet aménagement, ce que j'ai remarqué, c'est que d'accord, j'ai une superficie correcte pour mes bacs. Ils font 2 mètres par 1,20 m. Donc, c'est pas mal, j'arrive à planter pas mal de légumes. Mais j'ai vu quelques photos, quelques vidéos où on pouvait changer un peu le jardin en faisant un jardin en hauteur. Et là, je me suis dit, tiens, comment je vais faire? Bien, en fait, on va fabriquer des petites mini pergolas au-dessus de ces bacs. Donc, vous retrouverez le plan juste ici ou dans la description, juste en dessous. C'est toujours des chevrons. Des lames de terrasse, on va assembler tout ça et comme ça on va pouvoir augmenter la superficie du jardin. Pourquoi? Bah pour avoir des légumes grimpants, par exemple du concombre, citrouille, etc., butternut, qui vont venir grimper sur cette structure et qui seront en hauteur. Et en dessous, on plantera toujours d'autres choses qui feront de l'ombre d'ailleurs pour les légumes qui sont plus bas. Allez, c'est parti! Bien, bon, ça y est,
mes trois structures, elles sont installées. C'est déjà très très costaud parce que bien sûr, je suis venu reprendre sur le bac avec les devises comme vous avez pu voir à l'extérieur et ici avec mes lames de terrasse sur l'ensemble. Donc ça fait déjà un bon cadre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les renforts de contreventement. Donc il y en aura un ici de chaque côté à 45 degrés, un qui sera vissé dans le bois et un ici qui sera usiné et pareil de l'autre côté. Là, pour ce faire, je vais utiliser la lamelleuse. Ça, je vais venir directement faire mes usinages ici et là. Et comme ça, je vais venir coller ma pièce directement dessus avec du lamello. Et pour ce faire, je vais utiliser de la colle PU. C'est de la PU extérieure. C'est ce qu'on utilise quand on est généralement en extérieur. De toute façon, vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Donc là, ça y est, je débite mes renforts et on les installe ensemble. Allez, c'est parti! Bien, bon, ça y est, comme vous voyez, ça y est, c'est installé. Donc, ces pergolas au-dessus des légumes. Donc, moi, ça y est, j'ai planté mes tomates. Bon, il y a beaucoup de pluie en ce moment, ça continue à pleuvoir. Mais bon, ça y est, ça va commencer à pousser ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis mes ficelles pour que justement les haricots grimpants vont venir grimper ici, vont venir longer et comme ça, créeront de l'ombre en dessous au niveau des légumes qu'il y aura ici en dessous autour de ces trois bacs que vous retrouverez ici dans le jardin. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois.
N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.